pas et on voit pas ce qu'on fait. Et ben ça, ça permet quelque chose d'intéressant, c'est que comme ça, pendant ce temps-là, on essaye dans notre cerveau d'oublier le truc du genre « Oh là là, j'espère que ça va être beau, oh là là, oh pourvu que ce soit beau, oh là là, pourvu que ça plaise à maman, oh là là, pourvu que oh, j'espère que ça va plaire oh là là, à la maîtresse, oh là là là, j'espère que les gens ne vont pas se moquer de moi, oh là là, tout ça. » On oublie tout ça. On se bande les yeux, je demande aux gens de plutôt pas parler, de voilà, chacun dans son petit monde, en son temps. La serviette, elle trempe dans l'eau, puis après, elle vient nous éclabousser. C'est assez rigolo. C'est mon petit brumisateur mécanique éolien. Et j'ai remarqué un truc, c'est que plus on prend le temps, et plus dans la tête, on devient tranquille sur ce qu'on fait. Et puis, on se pose moins la question de savoir, est-ce que ce que je fais, ça ressemble à ça? Est-ce que ce que je fais, ça ressemble à ça? Au bout d'un moment, on se pose plus la question. Et c'est bien, c'est bien. C'est rare quand on peut se permettre de ne pas se poser cette question. En fait, l'idée, c'est de faire quelque chose d'assez rare ici. C'est de, voilà, découvrir l'argile avec ses mains, la sensation que ça fait. Parce que c'est une belle sensation de modeler la terre. Vous allez voir, il y a au moins ça d'épaisseur. Donc vous pouvez creuser, si vous voulez. Vous pouvez aller creuser, chercher la terre. Vous pouvez en enlever des morceaux, les mettre ailleurs. C'est complètement libre. Et puis, c'est pas moi qui vais vous faire des réflexions. Aucune. Je n'en ferai aucune. Ni des réflexions, ni des jugements, ni quoi que ce soit. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager avec vous cette sensation du modelage de la terre. Et puis, d'être libre dans sa tête, de débarrasser de ce qui est beau, de ce qui est pas beau, de ce qui plaît, de ce qui plaît pas, et tout ça. Petit à petit, on oublie ce qu'on est en train de faire, on oublie, tu dis, ah là, je voulais faire un tournesol, mais ils sont où les pétales? Attends, ils sont là les pétales, oui mais non, ça marche pas ça, bon bah, oh mais ça c'est sympa là ce qu'il y a là, ah bah tiens, je vais faire ça, tu vois, au début on croit qu'on fait quelque chose, on essaye de faire quelque chose, et puis petit à petit, on part sur quelque chose de plus imaginaire, plus fantastique, et c'est ça qui est bien. L'idée, c'est pas de faire, c'est pas la fresque collective, je m'en... C'est juste le plaisir de... C'est mon plaisir de modeler, et on peut travailler où des gens ont déjà travaillé. Il n'y a pas de problème. Et on peut transformer ce qu'ils ont fait, tu vois. Au contraire, ça peut m'inspirer, tu vois, là, là, une bosse, et qu'est-ce que je veux faire? Tiens, ah bah tiens, je vais l'enlever, je vais la mettre autrement. Ah bah tiens, je vais faire des... Alors là... On ne sait pas ce qui se passe dans notre tête hein, quand on a les yeux bandés. On essaye? C'est ça que je mets un plastique hein, pour pas que ça sèche. Oui. Je passe avec le petit chip-sheet pour mouiller la terre pour pas qu'elle sèche de trop. Et puis, voilà. Les ouvrir. Mais bien sûr, tu fais ce que tu veux. C'est mieux correctement pour que ce soit confortable pour toi. Hop. Alors. C'est parti de faire ce que tu veux. Comme ça, ça gardera le secret pour toi. Tiens, tu le places bien sur tes yeux, que ce soit confortable. Et moi, je fais le petit nœud derrière. Thank you.
Thank you.